Meghan Markle et le prince Harry misent maintenant sur des engagements officiels. Secret. Mercredi 6 novembre, le couple Sussex s'est rendu au centre communautaire de Broom Farm, dans la commune de Windsor, où il a rendu visite à des familles de militaires. Une sortie officielle importante pour le prince Harry, lui qui œuvre depuis longtemps pour les vétérans et anciens combattants, notamment, les invalides de guerre. Cependant, comme le précise Rebecca English, cette visite était tenue secrète. C'était, étrangement, censé être sous embargo jusqu'à ce matin, mais la circulaire de la cour a révélé un engagement secret pour Harry et Meghan hier, a ainsi révélé la journaliste royale du Daily Mail sur son compte Twitter, jeudi 7 novembre. Une visite officielle sous embargo, qui pourrait résulter de la volonté de Meghan Markle et du prince Harry de se protéger des médias. Il faut dire que depuis leur voyage officiel en Afrique du Sud, le couple Sussex a entamé une guerre contre la presse, en attaquant notamment trois tabloïds britanniques en justice, et accusant les médias de les harceler. Finalement, le compte Instagram de Meghan et Harry a posté dans la matinée du 7 novembre une adorable vidéo dans laquelle on les voit échanger et partager un moment unique avec les enfants de militaires et leurs parents. Des propos et actions qui leur ont valu de nombreuses critiques, notamment des journalistes britanniques qui ne cachent plus leur préférence pour Kate Middleton et le prince William. Mais si le couple Sussex essaye toujours de redorer son image, Meghan Markle elle les cache, elle se moque de ce que l'on pense d'elle. Lors d'une visite à la luminarie Baker-y, la duchesse de Sussex avait expliqué se soucier davantage du fait que l'on entende ce qu'elle a à dire. Mais avec des engagements officiels désormais tenus secrets, la tâche n'est pas facile.